Le prince Harry a fait plusieurs révélations explosives dans son nouveau livre, Spare, et dans des interviews entourant sa sortie. Le duc et la duchesse de Sussex ont mené une intense campagne de relations publiques ces derniers mois pour promouvoir leurs divers efforts médiatiques, mais les dernières révélations explosives de Harry ont amené certains à se demander où le couple peut aller d'ici. Le prince Harry a dévoilé tellement de sa vie qu'il ne lui laisse déjà plus rien à divulguer, a déclaré un initié de l'industrie hollywoodienne, ce qui a suscité des prédictions selon lesquelles l'accord Netflix du couple serait annulé. Le duc a participé à 4 grandes interviews pour promouvoir son nouveau livre, dont 3 diffusées à la télévision américaine, The Late Show avec Stephen Colbert, 60 minutes avec Anderson Cooper et Good Morning America avec Michael Strahan. Il a également parlé avec une connaissance de longue date Tom Brady sur ITV. Au cours des entretiens, il a évoqué certaines révélations choquantes dans son livre, notamment une bagarre physique avec son frère aîné, le prince William, et ses jours de forte consommation d'alcool et de prise de drogue de classe A. Mais au milieu des révélations sensationnelles, certaines personnes se demandent où le couple peut aller d'ici alors qu'un initié des Hollywood affirme qu'ils ont perdu leur mystique. Comment Harry et Meghan gagnent-ils de l'argent maintenant? A demandé la source hollywoodienne. La source a révélé que le couple avait signé un contrat de 3 ans avec Spotify, mais on ne sait pas encore si le podcast de Meghan, Archetype, sera de retour pour une deuxième saison. Après avoir rompu avec la famille royale, Harry et Meghan ont fondé Archewell Productions, une filiale de leur organisation à but non lucratif, dans le but déclaré de créer une programmation qui informe, élève et inspire. La société a signé un accord de production pluriannuel avec Netflix estimé entre 100 et 150 millions de dollars, selon les rapports. La source a demandé à Page 6, avec l'économie de l'industrie du divertissement si troublée en ce moment, Netflix voudra-t-il également prolonger ou renouveler son accord?